Qu'est-ce que tu fais là? Je te demande, tu dirais que t'en sais rien. Puis j'ai envie de me tailler, tu me verras pas pendant plusieurs jours. Allez, va vite, je rentre sur toi. Allez, va. Il est toujours pas là? Ben non, il... Et vous croyez vraiment qu'il viendra pas? J'en sais rien. Enfin, je comprends plus, moi j'ai pourtant bien dit de venir dîner ici ce soir. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Alors, on attaque quand même sans lui, tant pis. Tant pis. Allons-y. Je vais enlever le bouquet, vous verrez mieux, hein? Allez, servez. Ah, la petite pour vous, parce que vous êtes petite, et la grande pour moi. Si je suis grand. Ah, servez-vous. Le pilon? Ah oui, c'est vrai. Plaisir de vous voir manger comme ça, d'un bon appétit, là. Oh, je me régale. Faites attention à l'ours. Oh, vous tourmentez pas pour lui, il est loin. Voyons, mais vous êtes chez vous. Tenez, prenez du blanc, c'est le meilleur. Oh non, il n'aime que la cuisse. Mon estomac ne supporte que la cuisse. Mais moi, j'aime aussi le blanc. Alors, je prends aussi du blanc. Comme ça, mon estomac est content, moi aussi. Oh, vous êtes formidable, Anne. Vous savez tout faire. Oh, vous savez, quelquefois... Je loupe. Oh, quel tutu. Mais c'est la voix de votre frère. Non, non, c'est la mienne. Moi, je fais ce que je veux avec ma voix. Fallait le dire que c'était le tutu. Turlu tutu. Turlu. Je peux pas envoyer le cul, ce serait foutu. Turlu. Je fais ce que je veux avec ma voix. Oh, les vaches. Non, mais c'est pas vrai, c'est... Il est déjà 10h30. Oui, pourquoi? Mais il m'attend au manoir depuis 10h. Pourquoi faire? Mais ce soir, il y a concert, ils m'ont demandé d'y aller pour tourner les pages. Oh, bah décidément, vous faites tous les métiers. Mais je fais ce qu'on me dit, moi, je gagne ma vie. Moi, je suis garde-chasse, rabatteur, tourneur de pages. Si je vous disais que j'étais violon solo et tzigane, dans un cabaret de nuit. Une boîte très à la mode. Ah, ça marche ce soir, chère madame. Vous êtes belle ce soir. J'ai pas toujours été garde-chasse, vous savez. Ah, une corde pétant au lit d'une dame a provoqué mon renvoi. Je suis navré, chère madame, excusez-moi, mais vraiment, navré, excusez-moi, patron. Je suis navré, excusez-moi, chère madame. J'ai également été danseur à claquettes dans un établissement de plaisir. Fantaisiste à claquettes. J'étais garçon de café chez Clouchy, au Hall. Garçon? Monsieur? Non. Il va avoir une dinerie pour commencer, des marraines, n'est-ce pas? Quelques marraines, ça me paraît tout indiqué. Et puis alors, avec un petit peu de un petit peu de... Oh, le stupide appel. Il va y avoir des marraines avec un... Enfin, vous voyez, je veux dire un petit peu de parfaitement, monsieur. Un bœuf mironton pour le 15. Allez, couler le bœuf, alors forcément, pardon, monsieur. Clovejo, mais oui, monsieur, j'ai un merveilleux rouquin qui fera parfaitement l'affaire et qui ne fait pas de mal. Pardon, monsieur. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ah, hop, ah. Qu'est-ce qui se passe là? Toute petite cochonnerie. Ah, ah c'est l'ours. L'ours dans l'œil. Ou l'œil dans l'ours, comme vous voudrez. C'est pas très sale, ça. Pardon, excusez-moi. Nous avons le...
et délicat. Pardon. Ah, tiens. J'ai été renvoyé pour saleté. Alors je suis devenu illusionniste. Sans succès. Et vous regrettez tout ça? Oh non, surtout pas en ce moment. Oui, ça vous empêche quand même pas de me quitter. Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié. Alors là, je dois être vraiment en retard, moi. Vous croyez que vous aurez besoin d'un fusil? J'en sais rien, mais je dois toujours le porter quand je suis dans la propriété. Vous y allez dans ce costume? J'en ai pas d'autre, ils m'ont donné que celui-là. C'est dommage. Pourquoi? Vous seriez joli en habit. Non, ne vous moquez pas de moi. Oh, j'oubliais. J'ai un cadeau pour vous. Pour moi? Oui, là, sur le buffet. Dans le sac en papier. Je voulais vous le donner qu'au dessert. C'est un maillot de bain, j'espère qu'il vous plaira. Parce que j'ai fait l'autre jour une ronde, vers 11 h du matin près du lac. Et alors j'ai cru m'apercevoir que vous n'en aviez pas. Alors. Je me suis permis de... Tenez, si vous le voulez, demain, nous irons nous baigner au lac ensemble. Oh, je sais pas si mon frère voudra. Maintenant, vous avez un maillot de bain. Merci. Oh, le plus dur. Oh, je la crevais, moi, là-haut. Comment? Oh, attends, viens la prendre, hein, tout tranquillement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il te cherche encore? Histoire, je t'ai déjà raconté. Mais puisque c'est pas toi l'assassin, t'es seulement braconnier, toi. Alors expliquez. Jure-moi que c'est pas toi. T'as jamais tué personne, toi. Tu pourrais jamais tuer quelqu'un, dis. Tu sais bien que je pourrais pas. Mais alors toi, tu sais qui a fait le coup? Oh, je peux te le dire. Allez, va voir s'ils sont toujours là. Allez. Toujours là. Fais attention à toi, Paul. Ça va tout. Je viens de faire tout petit.